Hello les filles! J'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui, ça va super. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas maquillé mes yeux. Donc ça vous donne un petit indice de ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, j'avais clairement envie de faire une vidéo, donc 100% Sephora. Plus précisément où je vous présente donc les nouvelles palettes de la gamme Sephora Collection qui sont les palettes Pocket Palette. Vous allez avoir la rose, la bleue, la marron et si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y a la violette mais je ne l'ai pas pris. Moi j'ai ces trois palettes-ci. Et j'ai envie de vous dire, c'est déjà pas mal. J'ai eu un cadeau pour mon anniversaire, donc c'est mon chéri qui me les a offerts parce que j'arrêtais pas de lui dire « Oh là là, j'ai tellement envie de tester les nouvelles petites palettes de chez Sephora. » Je crois qu'elles sont à 9,99€ l'unité et j'avais clairement envie de tester parce que je pense que vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux. Ça a pullulé de pubs, de revues sur ces petites palettes. Du coup, je vais rajouter ma pierre à l'édifice avec cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais clairement envie en fait de faire un maquillage avec mes teintes préférées de chaque palette. Et à la fin de ce petit make-up, vous dire mon avis réel, ce que je pense réellement de ces palettes, de la pigmentation, de la qualité, si les fards s'estompent bien, est-ce que le rapport qualité-prix est bon. Enfin bref, j'avais vraiment envie de faire une revue complète sur ces trois palettes. Je ne vais pas vous faire trois looks parce que j'en ai tellement fait sur Instagram. D'ailleurs, je vous mets justement des maquillages que j'ai fait avec ces palettes là. Je vais mélanger donc trois teintes de mes teintes préférées des trois palettes. Donc sans attendre, on va arrêter les blabla et on va commencer le make-up de suite. Je vais commencer par utiliser donc la palette marron qui est dans les tons brun chaud. Et donc pour cette palette, je vais utiliser donc deux teintes qui sont mes teintes préférées de cette palette, qui sont ce brique un peu marron chaud, limite marron, marron rouille, avec ce rose un peu irisé, un peu effet lumière highlighter. Donc pour ce make-up, je vais utiliser ces deux teintes. Ensuite, pour la palette bleue, je vais utiliser ce bleu qui est juste magnifique et je vais peut-être aussi utiliser ce bleu foncé un peu marine. Et ensuite, donc dans la dernière palette qui est la rose, j'hésite encore mais je pense que je vais utiliser ce magnifique caméléon violine et peut-être aussi un peu ce doré chaud. Enfin bref, je vais faire un peu un mixte des trois. Donc, let's go. Here we go.
voyage est terminé. J'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ce petit tuto, ce petit make-up vous a plu. Donc j'ai un peu mélangé toutes les couleurs, soyons clairs, hein. J'ai un peu mis de toutes les teintes donc dans ce maquillage. En fait voilà, j'avais vraiment envie de vous montrer les différentes teintes, vous montrer donc la pigmentation, vous montrer donc comment je l'étale, comment je travaille, comment les fards se travaillent, est-ce qu'ils s'estompent bien ou pas. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment fait un tuto make-up, enfin que j'ai vraiment fait des yeux de toutes les harmonies de couleurs. C'était vraiment pour vous montrer les différentes teintes donc on peut retrouver donc dans cette collection de palettes, donc les pocket palettes. Ah, j'allais oublier mon avis. Non mais j'allais oublier mon avis les filles. Alors mon avis sur ces petites palettes, donc tout d'abord au niveau du prix, je trouve que le rapport qualité-prix est bon. Elles sont à 9,99€. À l'intérieur vous avez, comme vous avez pu le voir, vous avez 6 fards. Vous avez autant des mats que des irisés, donc ça je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien d'avoir fait des petits modèles un peu pocket, un peu des petites palettes de sac à main ou des petites palettes de voyage. Je trouve que c'est une très 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 bonne idée. J'aime beaucoup les harmonies des couleurs. Par exemple, j'aime beaucoup les teintes un peu caméléon qu'on peut retrouver dans la rose ou qu'on peut aussi retrouver dans la bleue. Hop, donc juste ici. Je trouve personnellement que la palette bleue est vraiment la palette mythique et vraiment la palette phare de cette collection. Je trouve que les harmonies de bleu sont très très les harmonies sont très très belles. Je trouve qu'au niveau de la pigmentation, les fards sont bons. La rose, je trouve qu'il faut quand même repasser plusieurs fois pour que la pigmentation soit très 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 intense. Mais en soi, ce sont vraiment des palettes de très bonne qualité. Les teintes, les harmonies, ça se voit que ça a été travaillé, ça se voit que ça a été étudié. Ce sont des palettes que j'utilise presque tous les jours depuis que je les ai eues. Je les ai eues en cadeau au mois de février et je les utilise tous les jours. Donc mon avis est vraiment très très bon dessus. La pigmentation, je la trouve bonne. Donc bien sûr dans d'autres palettes vous pourrez retrouver des pigmentations beaucoup plus intenses, mais je pense que le but de ces palettes n'est pas forcément une pigmentation intense de make-up artiste, mais plus une pigmentation pour tous les jours. Donc clairement je trouve que le rapport qualité prix est vraiment excellent et je suis très très fan de ces petites palettes. Donc en tout cas je suis impatiente d'avoir votre avis à vous parce que j'adore débattre et puis j'adore voir l'avis aussi des autres personnes, c'est hyper intéressant. Donc j'attends votre avis en commentaire et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et surtout, surtout, n'oubliez pas de vous abonner les filles. Bye bye.